Ce 21 juillet, Sarah Biasini a célébré son 47e anniversaire, qui est aussi le 42e sans sa mère. Alors qu'elle n'était qu'une enfant, elle a connu le drame. Tout juste âgée de 4 ans, la fillette apprend la mort de l'actrice Romy Schneider. Son père, restaurateur, avait un emploi du temps particulièrement chargé. Sarah a alors été élevée par sa grand-mère paternelle. Dans l'édition de Libération, parue en kiosque le 11 janvier 2023, à l'occasion de la sortie de son livre La beauté du ciel chez Stock, la comédienne de 47 ans a raconté cette enfance aux côtés de sa grand-mère Monique. Le métier de ma grand-mère, si est-il la maternité, a-t-elle confié à nos confrères. Et de parler de l'amour inconditionnel qui lui vouait Monique. La mère de Romain Gary dans La promesse de l'aube, si est-il, a expliqué celle qui a eu un déclic lorsque la tombe de sa mère a été profanée. Et d'ajouter, elle me disait que je pourrais faire tout ce que je voudrais à partir du moment où je le déciderais. Si est-il ce qu'un parent doit dire à son enfant. Supérieur a découvert en images les hommes qui ont marqué la vie de Romy Schneider. Une relation particulière avec sa fille Anna pour élever sa fille Anna qui a eu 5 ans au mois de février, Sarah Biasini a bien évidemment été inspirée par l'éducation reçue par sa grand-mère Monique. De fille 2, la compagne de Gilles Lefebvre est devenue maman 2, et cela semble lui avoir fait un bien fou. Récemment, elle confiait à Paris Match ce qu'elle partageait avec la petite Anna et comment elle lui parlait de sa mamie, Romy Schneider. Je commence seulement un peu. Je lui montre des photos en lui disant, voilà, c'est mamie, c'est la maman de maman, avait-elle indiqué. Au cours d'une interview qu'elle nous avait accordée, elle avait confié qu'elle éprouvait des difficultés à se faire à la mort de sa mère. Elle avait alors affirmé, « Je n'en veux pas aux gens qui me parlent d'elle, même si j'ai un peu de mal à partager leur peine. Mais chaque fois que j'entends son nom, j'entends sa mort. C'est cela, les survivants. Et puis c'est ma mère, pour moi, elle n'est que ça. Parfois, je me fiche de l'actrice. » Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Coadic Guirec.